Alors on a débloqué les habilités niveau 3. Fais voir un peu ça. Visez et maintenez un run pour sélectionner 3 cibles sur un ennemi ou une cible sur 3 ennemis distincts. Ah, je crois que ça on en a besoin pour détruire des racines, parce qu'il y avait des racines qui étaient... Il y avait plusieurs racines. Je vais en lancer de précision, provoque désormais une force d'explosion à l'impact. Oh la vache. Lors d'une esquive, maintenez arrière. Okay. Ouais, mais je peux pas le faire là, non? Ouais, il faut que je sois en combat. Cool. Regarde, il y a un bateau recouvert là-bas. Ça marche. Ok, maintenant on regarde équipement. Alors, protection du torse, comparé. Beaucoup de défense. Est-ce que ça vaut le coup? Telle est la question. Défense ibaïque augmente la vitalité. Armure cuir durcie, une grande liberté de mouvement, favorise rune et force. On perd en chance. Ça c'est pas mal par contre. Après on a ça. Bon, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Ok. On a deux qui sont intéressants. Ça, je pense que je vais prendre ça. Là, on gagne encore plus en défense, mais... favorise la rune et la force. Ok, on va peut-être prendre ça. Avant-bras, normalement, c'est que de la merde parce que nous, on a un truc de quête, en fait. Donc, on peut pas. Est-ce qu'on peut l'améliorer, par contre? Non, il nous faut de l'acier massif. Ok, ça marche. Ça aussi, on peut pas. On peut rien augmenter. Il y a plein de trucs. Ok, bon déjà, armure. Type de face. Allons. Avant-bras, non. Protection de la taille. On perd énormément de chance en fait. Qu'est-ce qui a attiré ton regard? Oh, tu as besoin d'autre chose? Alors, poignée de machin. Ça non, je pense pas qu'on va le changer. Parce que nous c'est du violet. Par contre le talisman peut-être. Un excès de rage possède également l'effet passif qui augmente la quantité de rage obtenue en combat et la durée de la rage passée. Oh ça c'est pas mal ça. Octroie un accès de rage. C'est pas un excès de rage. Plutôt possède également l'effet passif, ça c'est pas mal. Réinitialise le temps de récupération de toutes les runes. Possède également l'effet passif d'augmenter les runes.
J'aime bien le coup de bouclier quand même, mais à la limite, la rage, ça aide. On va voir, on va tester. Et maintenant, du coup, on a plus d'argent, c'est bien. Mais du coup, on va pouvoir augmenter. Autre chose? Voyons voir. Je vais voir un peu. Vous avez vu la jauge comme elle a augmenté? Oh, ok. Je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'on peut vendre? Je sais pas si on vend les objets ou pas, parce que j'ai envie de les garder dans un sens, on sait jamais. Mais on peut augmenter encore nos armures et tout. Genre l'armure, il nous faut juste de l'argent. Ouais, on va faire un tour et on va continuer. Alors ça, oui. Bon, il n'y a que ça à faire. Atreus, suis-moi. J'arrive tout de suite. Alors attends, je veux tester le... Ah, ça marche que avec les ennemis en fait, d'accord. Que maintenant on peut cibler, on peut en attaquer 3 je crois. Vrai que je regarde pour me prendre une PlayStation 4 Pro. Je n'ai rien dit. Ça va faire 2 fois là. D'accord. Qu'est-ce qu'il a lui? Il entend des voix? T'a-t-elle parlé de ce royaume? Pas vraiment. Elle m'a juste dit que le fait que les elfes se battent pour la lumière les isolait. C'est bizarre qu'il puisse pas lancer sa hache du bateau. Attrape ça. Épique, boire la rosée d'armement procure les bienfaits durables. La récupération augmente de 2 points de façon permanente. Oh. Ah, j'ai oublié de mettre ma rune, c'est vrai. Pas quoi mettre. Défense de feu. On aura à faire ça. Ouais, l'objet qu'on a. Attends, putain. Qu'est-ce qu'il y a à l'armure? C'est bon. Alors, fais voir. Ressources. C'est ça, boire la poser augmente de 2 points de façon permanente.
Ah, mais on n'a pas besoin de la boire, c'est déjà fait, je crois. Je pense. Il suffit juste de récupérer l'objet, en fait, je crois. Alors... il nous faudrait un ponton pour pouvoir tirer. Quoi ? Non, je n'ai rien dit. Étrange, j'étais sûr que t'avais parlé. Qu'est-ce que... Oh la vache. Qu'y a-t-il, Atreus ? Les voix ! Tu les entends pas ? Je n'entends rien. Elles ont disparu. Il y avait des cris. Et plein de voix en colère. T'as vraiment rien entendu ? Non. Elle paraissait... maléfique. Par contre, attends. Ça me dérange de pas pouvoir récupérer cet objet là. Ah. Je crois qu'il est par là. Ah, si, c'est là. Yeah. Allez, gamin, rattrape. Je vois quelque chose. Très bien. On peut continuer. Regarde, on devrait peut-être essayer de leur parler. Non. Mais ils ont peut-être besoin d'aide. Tant qu'ils n'essaient pas de nous arrêter, ça ne nous regarde pas. Mais j'ai dit que ça ne nous regardait pas. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelque part ou pas? Les sortes de cloches là, je crois qu'il faut les sonner avec la hache. On a fait ça pour ouvrir des coffres, donc il y a peut-être quelque chose à faire. Ou alors c'est de la décoration. Un ou l'autre. Incroyable. Ça doit être le temple en forme d'anneau. Waouh, ok. C'est triste que les elfes n'arrivent pas à s'entendre. Alfheim est un endroit magnifique, mais... la guerre gâche tout. Tu vois avec les yeux d'un enfant. À la guerre, un soldat ne voit la beauté que dans le sang de l'ennemi. Il oublie tout le reste. Parfois, à tout jamais. Toi... tu connais la guerre. C'est vrai? Les guerres sont motivées par deux choses. La survie et le gain. Les batailles sont gagnées par les meilleurs soldats. Les guerres sont gagnées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour s'assurer la victoire. Comme d'habitude. Comme d'habitude, on fait le tour, hein, d'abord. On va pas faire la mission principale. On va garder ça.
dirait du Stargate maintenant. Attends. Parce que sinon je vais oublier. Concentre-toi, Atreus. Sinon je vais oublier de le récupérer l'objet. Il y a quelque chose. Donc d'abord ça. Maintenant on peut combattre. On va voir un peu les niveaux. J'ai peur que ça soit élevé. Ça va. On va voir si je maintiens. Ah, l'explosion est cool. L'explosion est cool du lancer de hache maintenant. Ça, c'est vachement sympa. Ah, merde. Non. Ah. Putain, j'arrive pas. Yes. Ton dos. Ah, non. Une pierre de guérison, père. Putain, j'ai cru que je l'avais. J'ai cru qu'il était mort. C'est chier. On s'était touché. On a perdu plein de vie. C'est terrible. Voilà. J'étais full vie. Je suis à la moitié de ma vie. Ça, c'est bon, ça. Putain, c'est chier. Mais en tout cas, l'explosion, normalement, ça c'était quasiment du one shot. Là, maintenant, c'est... On est plus solide, quand même. Hein. On est beaucoup plus solide. Ça, c'est bien, ça. Ah, pas ça. Merde, il y en a un autre. Oh, putain. Niveau 4. Il est mort ? Non, il est pas mort. Merde. Mauvais moment. Mauvais moment. Non, non, c'est bon, on n'utilise pas de pierre. J'arrive tout de suite, vite. Regarde. Je suis prêt. J'ai peur à chaque fois qu'il me fasse le coup. Pas mal le pas en arrière avec le lancer de hache. Bah, du coup là on a combattu tout en même temps et ça va, c'est bien passé. Uh-huh.
Attends, ce coup marche pas en fait. Non, non, c'est quoi? Visez et maintenez R1 pour sélectionner 3 cibles. 3 cibles sur un ennemi ou une cible sur 3 ennemis distincts. Mais je crois que ça marche que pour les ennemis. Hein. Ouais. Oh yes, j'ai réussi avec le retour de la hache en fait. Je l'ai envoyée dans la bonne direction, elle s'est plantée dans le mur. Quand je l'ai rappelée, j'ai pu la renvoyer direct et j'ai eu le temps, ça va. Je pensais qu'il y avait aussi un truc comme ça avec le retour de la hache. Ah mais du coup on peut passer ou pas? Ah yes. Alors... ça c'est pas mal ça. Là c'est plutôt... ça gèle, c'est pas mal, enfin c'est bien, mais bon c'est pas... hein, moi j'aime pas trop. Là c'est des dégâts, c'est surtout des dégâts en fait. C'est pas mal, on va prendre ça. Falloir quelque chose pour rentrer. Ouais, ok. On a fait le tour. D'après Sindri, Mère était une guerrière. Elle faisait la guerre aussi. En quelque sorte. Sa famille a été décimée par une famille rivale, et elle seule a survécu. Elle a vécu comme une guerrière, mais son combat était de continuer à vivre. D'affronter seule un monde sans pitié. J'ai raté un endroit. Qu'elle a demandé à Sindri et Brock de lui faire la hache. Elle avait la force de manier une telle arme, et la sagesse d'en faire bon usage. Elle se faisait fort de protéger les faibles. Donc, elle aurait aidé les elfes? Non. Elle aurait aidé les elfes? Non. Oh, corbeau, je viens juste de le voir, tiens. On a bien fait de revenir. Salut l'artichaut. Noir, moi je vois rien avec l'éclairage en fait. Là où il y avait les cauchemars, il y a une pièce. Les cauchemars, c'est les trucs qui volent, c'est ça? Rien, c'est absolument noir. Oh. C'est juste pour ça? Bah c'est de l'argent, c'est bien.
est-ce que c'est là ou pas? Père, tu as déjà rencontré quelqu'un qui entendait des voix? J'ai connu des marins désespérés qui, à court de vivre, étanchèrent leur soif avec de l'eau de mer. Et... ils juraient que les sirènes, des bêtes maléfiques qui les appelaient de leur chant sur les îles voisines, étaient leurs femmes et leurs filles, les priant de rentrer. Ils mirent l'équipage en danger en faisant cap sur des récifs. Et qu'est-ce que tu as fait? On les a jetés à la mer. Oh. Heureusement que j'ai pas bu d'eau de mer. On les a jetés. En effet. J'avais pas eu un pont. Pas un ponton, là. Ça, c'est pour l'histoire principale, je crois. Enfin... là, on peut pas accoster. Ouais. On va faire le, on va aller de l'autre côté. J'ai loupé une carte au trésor, mais je l'ai pas la carte sur moi. Parce que pour l'instant, j'en ai plus dans l'inventaire des trésors. Balade. Sanctuaire des elfes. Sois prêt. Merde, des machins. Tout ça pour me faire toucher, putain de merde. Tout ça pour me faire toucher. Bien. Maintenant on va pouvoir utiliser la... ok, faut monter, je pense. La rage un peu plus souvent. Vu que je peux un peu la monter plus rapidement, plus souvent. C'est quoi ça? Porte. Comment on y va? Je vois bien un tiers depuis le haut, mais est-ce que on a vraiment besoin d'aller en haut? Alors. Thank you.
verra ça après. Gelé ça. Je dirais qu'il nous manque quelque chose. Pas envoyer le gosse ? Ouais, enfin pourquoi ? Bon. On verra plus tard. Pensez que j'ai le temps de passer ? Ok. Retente. Ça me semblait vraiment juste en fait. On va voir. Ok. Si on me dit qu'on passe, je passe du coup. Eh merde, qu'est-ce que je fais moi? Attention, père! Il est où l'autre? Oh yes. Oh tu vas morfler toi. Oh oh oh. T'avais pas à faire chier. Hop là. Ok, donc passage ici, on va aller d'abord là. Voilà en premier dans ce chemin. Ah, on est... Où c'est que je disais là? Ok, donc il y a bien un coffre. Ah, s'il faut c'est de la vie. Oh, yes. S'il faut c'est de la vie. Merde. Ok, celui-là. Non. Ça ? Il en manque un. Oh, c'est là. Non. Je t'ai fait, toi ?
C'est bien de pouvoir augmenter sa rage, oh la vache. Ah! Merde! Flèche. Oh mon dieu, oh mon dieu. Une pomme, s'il te plaît, une pomme. Ça, ça va sur mettre combat. Ah. Putain de guerre, à quoi ça ressemble? De médailles. Allez. Combat. Enfin, je pense. L'animation qui m'a tué quoi. Résiste. En plus je voulais pas la faire, c'est juste que j'ai enchaîné les touches et ça a fait l'attaque. Putain. Qu'est-ce que c'est chiant ça. Enfin c'est normal mais bon, c'est quand même casse-couille. En plus les deux m'ont enchaîné quoi. Oh la vache. Je suis pas prêt. Oh mon dieu, j'ai esquivé l'attaque, je sais pas comment. Bien, continue comme ça. Pas m'approcher plus parce que là j'ai un peu peur là je crois qu'il peut moins le choc. Et
en deux coups, il me tue.